Hey, bonjour tout le monde. Regardez ça. Je suis en mode VIP maintenant avec Captain Falcon et je suis vraiment content. J'ai réussi. J'ai finalement réussi à passer tout à travers tout un long périple pour réussir finalement les Lettres Smash avec Captain Falcon. Hey, ça a vraiment bien été là, en ce début de soirée au 18 octobre. Il me fallait au moins que j'accolle 7 ou 8 matchs d'affilée pour pouvoir m'y rendre. Puis j'en ai accolé 7 d'affilée après avoir perdu en deuxième place dans un Smash à 3 avec tout le complet qui veut dire 3 vies en mode endurance, 300 HP chacun pour 3 vies. Ça veut dire 900 au total. Je pense que c'était 6 minutes le temps limité. Item, puis final Smash. Après ça, 7 matchs d'affilée. Hey, c'est vraiment incroyable là. Hey, je suis vraiment content, puis mes équipiers là, ils étaient. Hey, je suis vraiment chanceux d'avoir tombé sur Kai HQ là. Mon Dieu Seigneur, je suis vraiment choyé. Pour une fois que je joue avec lui, au moins Seigneur, je me planterai pas. Puis c'est ce qui est arrivé. Mais en tout cas, le dernier, Diane, là, Dylan avec son Simon, Seigneur, il était intense, c'est pas à peu près là. Regardez ça. Il est Smash 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! 1, 2, 3, 4, 5. Mon plus bas à date, c'est High. Mon Ultimax c'est toujours mon plus fort. Puis pas loin, il y a Ganador. Puis après ça, c'est Yoshi. Bon, le prochain, ça va être Bowser. Et je me mets comme défi de le réussir à me rendre dans les Smash avec Bowser. Selon où je suis rendu. En moins de 36 heures. En tout cas, j'en suis pas loin. Je suis à moins de 2 millions. C'est sûr que j'ai pas joué beaucoup avec. Mais quand même, sa puissance va augmenter avec le temps. Et n'oublie pas que moi, mes préférences, c'est en équipe. Fait que des fois, ça pourrait arriver que je sois dans des Smash à 3 ou en duel. Puis mon duel, ça s'est bien passé aussi. Le seul duel que j'ai pu traverser, j'ai bien traversé. Sauf qu'il a été malchanceux, le Link Canton, là, quand j'ai... Dès que j'ai mis KO la première fois, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais il a fait une esquive dans les airs. Au bas, ça lui a coûté une chute. Au bas, oublie ça. Au vie contre 1, là, j'étais à 128%. Il y avait très peu de chances qu'il puisse se rattraper. Ben, au moins, il a quand même essayé. Bon, on va aller voir maintenant mes statistiques avec Captain Falcon. Combien de parties que ça me prit pour finalement m'y rendre? Statistique de jeu. Ah, c'est pas ça. Si. Je vais mettre tous pour savoir. Puis ensuite. Ah, ok, il y a une différence de 14 KO. Fait que Ganondorf, j'ai toujours 413 pareil. Fait que genre c'est ça, parce qu'encore des fois j'ai pas mis mon nom dessus, genre c'est pour ça. Parce que probablement que je joue avec quelqu'un d'autre pendant ce temps-là, peut-être avec l'un des membres de ma famille pendant ce temps-là, puis là c'est ça, c'est pour ça qu'il y a deux noms à l'écran. Donc on met ça tous pour dire que j'ai joué avec Captain. Il y a juste moi qui joue avec Captain Falcon. Bon, quand il y a un moyen par combat, Seigneur c'est 3-3-3. Avec Captain Falcon, je pense pas que j'ai été bien bon à ce niveau-là, de KO en moyenne. Mais par contre, KO par attaque puissance 65, c'est quand même pas mal. 632 par attaque smash, j'ai bien coup de don, ça y est, j'en ai fait des smash avec lui. Par attaque aérienne 407, lui numéro 1. Pour 166 par attaque spéciale. 122 par smash météor. Ça y est, j'en ai fait bien plus que Ike en tout cas. Je demande combien de points de partie j'ai joué avec. KO par objet, ça y est, 39, ok. Par smash final, 57. Mais par KO haut, c'est je remporte avec Ike, 198. Pour le nombre de chutes, il boit, ça y est, c'est gros en titi. Autodestruction, 6, aïe aïe. Nombre de chutes, 1623, ok. Moyenne de chute par combat. Bon, ok, je me maintiens dans deux, c'est pas pire. Combat, j'ai fait 709 combats. Oh my god, oh my G. 709 combats pour m'en donner du match avec Captain Falcon.
Ça m'en a-tu pris des matchs, éprouvants pour moi et finalement réussir à passer à travers ça? Pour au moins réussir à te rendre dans les images, il faut vraiment qu'à partir d'au moins de 100 000 points d'écart entre toi et les Lich Smash, qui veut dire le Smash VIP, ok, il faut au moins accoler au moins 7 victoires d'affilée, au moins 7. Si tu pars en deuxième place dans un Smash à 3, ok, c'est pas trop grave, tu perds peut-être environ entre 4 000 et 8 000, c'est déjà pas si pire que de perdre genre 16 000 d'une shot, ou même 30 000. Quand tu perds, quand t'as dernière place, aïe aïe. 709 combats, hey boy. 709 combats. Puis avec mon Lucario, j'ai fait combien? 703, j'ai 6 de 6 de différence. Donc, avec le nom du Lucario, c'est 6 combats, puis 609 au total, en vrai Captain Falcon. Oups. Bon, le temps de jeu. Il voit, j'ai joué beaucoup longtemps avec lui, au moins un temps de jeu de 37h52. Ouais. Ça m'a pris au-delà de 36h pour réussir à le mettre en Elite Smash, c'est bien coudon. Avec Boja, j'ai joué combien à date? Ah, à peine 1h12. Minutes. Pas beaucoup. Ridé 52, 30 minutes. Claude 27, 24 pour Chrome. Ah ouais, j'ai pas joué beaucoup avec le reste de la gang, là. Mais ça va venir avec le temps. Bon, puis toi, en mode chômage. Puis toi, en mode chômage, ok. C'est genre 311. Ok, victoire en mode j'en ai fait 311 avec. Puis défaite contre 297 défaites. Donc c'est-à-dire que. 311 puis 297, ça revient à. À 108. 608 matchs. Donc c'est à peu près la moitié, à peu près 50% de réussite. Bon, pour le taux de victoire dans les 10 derniers combats, moi, ça aurait été sûrement marqué 80 ou 90 avec Captain Falcon, bon, ben, j'ai 90. Ouais, ma dernière défaite remonte après avant mes 7 victoires d'affilée, puis après j'ai eu deux victoires à coller. Donc, ça fait 90, puis dans les 50 derniers combats, c'est combien avec Captain Falcon? Voyons, c'est pas gros. 56%. Bon, c'est la même chose que Ike, et bien coudonc, pour que je me rende dans les smash. Et bien, c'est une autre de coïncidence pareille. Hein. Pour les 50 derniers matchs avec Ike et Captain Falcon, c'est égal. En bonne position. C'est encore mieux qu'avec Ike, 334 points en bonne position. Taux de bonne position que 90% Captain Falcon, c'est bon ça. Taux de bonne position avec Captain Falcon, c'est où lui? 58, c'est pas pire. Ah, mais c'est la même chose que Ike, c'est bien coudon. C'est un drôle d'hasard. 58, 58, 56, 56, c'est bien coudon. Dégâts infligés, ça y est, j'en ai infligé beaucoup. Sauf que j'ai subi beaucoup plus de dégâts que j'en ai infligé. Mais n'empêche que, il y a certains de mes combats que j'ai réussi à toffer jusqu'au delà de 300 avant de mourir. Fait que ça c'est à prendre en compte. Puis aussi, deux parties sans jeter au-delà de 200% avec Captain Falcon. Là, ça aussi, c'est mettre en considération aussi. Dégâts soignés 48, ok. Dégâts max 333. Ouais, je vous l'avais montré ça. C'est mon record avec Captain Falcon dans Super Smash Bros. Ultimate. Bon, j'en ai subi 25, j'en ai gagné 11. Bon, c'est même pas plus qu'à moitié. Comparativement à Ike. Bon, c'est déjà pas si mal. Smash finaux 127. Taux d'utilisation, presque 30%. Distance parcours, ok. Distance de saut. Ça, c'est pas bien trop important, ça. Distance à l'avance, c'est beau, il n'y a eu aucun noyade à date. Mais comme d'habitude, c'est pas mis à jour pour le reste de la ligne, pas Captain Falcon. Celui que je joue le plus récent. Pour le puissance match en ligne.
Bon, ben, c'était mes statistiques avec Captain Falcon avant d'arriver en Elite Smash. On peut considérer ça que qu'on a fait, que j'ai fait 608 matchs au total avec lui. Puis le reste des combats, c'est probablement que je joue avec des amis. Donc on peut dire 608 combats. 608. 608 avant de me rendre en Elite Smash. 608. Et hey boy. Ah Seigneur, j'en ai de la persévérance hein, pour ça. Ouf. Qui sera mon prochain? Peut-être Bowser ou quelqu'un d'autre avant. On verra. Mais comme que je me dis, je vais attendre à dimanche. Je vais commencer avec Bowser dimanche. Puis si je réussis à me rendre rapidement en une dizaine de games, ça serait déjà pas pire. Déjà là, un autre en Elite Smash, ça serait pas bien lourd. 5,3 millions, 320 000, il me faut au moins 5 522 000 peut-être environ pour m'y rendre. Mais la moyenne aujourd'hui doit être de peut-être 5 550 000 à peu près, je vous dirais approximativement en date du 19. Si je me fie à ce que j'ai noté il y a quelques jours avant. C'était au 13 octobre. Sauf que il y a 5 jours, j'ai marqué que les lettres images étaient d'environ 5 500 126. Pour se rendre à l'étimage, la moyenne doit être peut-être de 30 000 de plus, je dirais. Après 5 jours. De manière approximative. Donc là, qu'est-ce que je vais présenter comme vidéo par la suite? Ça va être tout le périple que j'ai pu traverser, dont le joueur de Pikachu, si je n'étais même pas capable de battre, j'étais là, oh non, pas encore lui. Là, une troisième fois, oh non, pas encore lui. Je suis là un peu plus tard, oh non, encore lui. Deuxième match de suite, oh non, pas encore lui. En plus de ça, j'ai encore le même équipier. Mais quand même, qui joue pas si pire que ça quand même là. Sauf que moi là, oh boy, moi je te dis, j'ai de la misère avec ce joueur là.